Bonjour, il est 8h10, c'est le sport. Ah ben non, je voulais vous faire un bisou. C'est rare que vous soyez juste devant. C'est moi. Ah tant pis, hein, vous voulez pas coopérer. Il est là-bas. On se retrouve. J'ai déjeuné, je suis prête. J'ai reçu 2 paquets ce matin. Shein, je les attendais genre dans 10 jours. Donc c'est cool. Je les ai reçus gratuitement. Et j'ai décidé de tourner aujourd'hui, de publier aujourd'hui, ce qui veut dire grosse journée. À 7h21, j'ai réussi à faire la vidéo, mais j'ai les yeux complètement explosés, j'ai pas arrêté. Je vais aller chez ma maman parce que je dois envoyer des colis. Ah oui, on en a pas parlé, Vinted. Vous m'avez fait un bel accueil, hein. Il reste des choses, mais il y a plein de trucs qui sont partis. Là, je dois envoyer des colis et chez ma maman, en fait, elle est là. Moi, j'ai pas réussi à trouver le papier bulle, tout ça. Et en attendant que j'achète tout ça, je crois que c'est à Brico Leclerc. Elle va me dépanner. Voilà, ça ce sont les 3 choses. Et en plus, voyez ça, la chemise moutarde. C'est une abonnée qui m'avait demandé qu'on se rencontre. Elle passait dans ma ville une fois et je le portais ce jour-là. Donc, elle m'a dit que ça sera en plus un petit souvenir de notre rencontre. Je trouve ça génial. Voilà, pour la petite anecdote. Je suis chez ma maman. On a fait l'emballage et je pense que demain, il va vraiment falloir que j'aille chercher tout ça. Ça serait quand même bien. Je viens de rentrer de chez ma maman. Je vous ai pas filmé. On a fait le paquet et tout, et en voiture, il y avait un coucher de soleil de fou, donc là, je vais aller à un endroit où on voit tellement bien le coucher de soleil. Et en rentrant, je vais nous faire une petite recette de linguine aux gambas, enfin des grosses crevettes grises. Alors ce soir, ça rend mieux à l'œil qu'à la caméra, je crois. Ce donjon, il est impressionnant quand même. Hein. Vous croyez qu'il m'attend celui-là? On te voit, hein. Moi, je suis Mother of Cat. Vous le reconnaissez? C'est le petit chat quand on a fait le petit tournage. Tu connais pas Jackie, toi? Mais il est jaloux. D'ailleurs, j'y vais. Bonne soirée. Excellent restaurant, là. La Teria. Ah non, vous voyez pas ce ciel, mais on dirait qu'il va s'embraser. Je vais mettre mon masque. Il n'y avait personne, mais là, on sait jamais. Juste pour le plaisir, je vais regarder un peu leur menu. Entrée, pavé de saumon rôti, suprême de pintade, quasi de veau, assiette gourmande. 27€ le menu, mais complet quoi. Une entrée, un plat, un fromage et du dessert. Bah, écoute, prochaine fois. Je suis rentrée. Je vais fermer la fenêtre quand même. Au moins pour le bruit. Oui, donc... Je vais étendre le linge maintenant et après linguine. Peut-être que je l'ai fait avec du curry, mais le curry je crois que c'est un peu épicé. J'ai fait tourner toutes les fringues que j'ai reçues Shein. Ça c'était mon coup de cœur quand je l'ai vu sur le mannequin et c'est vraiment encore mon coup de cœur après l'avoir essayé. Il est tellement beau. Ça va être hyper joli avec un jean un peu clair et des bottes hautes, j'en ai pas, marron. Merci pour ton aide mon Jack. Hein? T'es jamais là quand j'ai besoin de toi pour étendre le linge. Lui non plus. Alors, les voilà, les jolies, avec la petite crème légère, linguine. On va faire, faut que je les décortique, après je vais les faire sauter. Bonjour, on se retrouve le lendemain. Nous sommes chez Peugeot pour réparation de notre voiture, enfin faire un devis. On va nous prêter une voiture en attendant. Elle est belle, hein. Donc on a la nouvelle 2008 essence. C'est un SUV un peu surélevé, super belle. Ok. Là, elle est au point mort. Et le parking, là, le frein d'amas est électrique. Il est beau, hein, le tableau de bord. Voilà, c'est ça que j'adore. Mais l'essence, j'en profite, je vais à Inter chercher mes fameuses enveloppes soufflées, là, soufflées pour Vinted. J'ai trouvé mes enveloppes soufflées, il n'y en avait plus. Et vous voulez voir un truc drôle? Je suis restée un petit moment quand même. Et il est toujours en train de mettre de l'essence. Soit il galère, soit il... je sais pas. T'as mis du temps? Je savais pas ouvrir la trappe. Tu savais pas ouvrir la trappe? Ah, bah, voilà. Je me doutais qu'il y avait un truc. Je voulais pas... Ok, bon. Donc il m'a dit qu'il avait mis dans un déstockage, je sais pas quoi, truc de bureau. Bon bah voilà, les plans foireux, saison 2 d'Eric. Ça fait une heure qu'on roule, il y a des travaux de merde. Et en fait, rien à voir avec ce truc de papeterie. Voilà. Bon bah c'est super. On s'est tapé des travaux, je vous explique même pas. D'ailleurs, vous avez un
bien sûr. On l'aura testé, tu me diras. Bon, bah, tant qu'avoir fait de la voiture, on a poussé plus loin. Hein. On est à Bureau-Vallée. Je pense que là, je vais trouver mon bonheur. J'aime beaucoup venir dans ces grands magasins de papeterie. Bureautique. D'accord. J'ai trouvé des trucs très sympas. Je vous montrerai chez Bureau-Vallée. Et vu que là, j'ai un petit creux, il est 11h30. Hein, on va au bureau. Je prends un petit truc histoire de remplir mon estomac. Il faut que je pense à chaque fois à prendre un truc dans mon sac à grignoter. Allez. Bon, bah, c'est 11h45. J'avais pas vu, il est 11h17. Donc, une demi-heure à attendre devant. Ah, voilà. J'ai pris juste des nuggets. Bon, il est possible que vous ayez pas compris cette journée parce que moi-même, je la comprends pas. À la base, donc, on allait prendre la voiture de remplacement. On rentrait direct à la maison. Comme vous avez vu, on est allé. Pour Eric m'a dit, ah, tu vas voir, il y a un déstockage, un truc genre à 30-40 bornes, déstockage papeterie. J'avais un gros doute parce que je dis, ok, donc vous avez vu, ça n'a jamais existé, il n'y avait rien. J'ai dit, quitte à avoir poussé, on continue et on va vraiment au bureau Vallée. J'ai trouvé des trucs que je vais vous montrer après qui vont vraiment m'être utiles parce que, ouais, je cherche donc, comme je vous avais dit, de l'adhésif toujours pour Vinted, papier craft, papier bulle, les enveloppes, bah, je les ai trouvées. Suite à ça, j'ai eu un petit creux, c'était pas encore ouvert. Je suis allée, ça vous l'avez pas vu, dans une boulangerie, il n'y avait rien. Dans une deuxième qui faisait un petit peu sandwicherie, tartinerie, t'avais que dalle, t'avais juste une pauvre pizza, donc j'ai dit bah non. Résultat, on a atterri au McDo pour manger 3 petites nuggets. Je suis donc à la maison et depuis tout à l'heure, je m'avance, je fais du montage. Et je vais envoyer, là j'ai une nouvelle vente Vinted, je vais envoyer des, bah, c'est des chaussures. Je vais donc faire le paquet. Et voilà, ça va être déjà pas mal tout ça. Je vais vous montrer ce que j'ai payé. Ça, c'est le paquet. J'espère que c'est bon. J'avais mis 1 kg. J'ai un petit doute. Vous entendez l'autre avec ses Smarties là? Ou ses M&M's? Je crois que j'entends pas. Ah, les fameuses pochettes soufflées, c'est pas donné. Hein. Il y en a 5, c'est 4 euros et quelques. J'ai pris carrément l'énorme parce que normalement c'était comme du papier cadeau. Il n'y avait plus que ça, donc ça va me servir pendant un bon moment. 11 euros, je crois. Donc, c'est beaucoup plus rentable. J'ai pris 2 rouleaux parce que c'est le genre de truc qui part quand même assez vite. Et j'ai pris ceci pour ranger tous mes documents. Et je vais pouvoir mettre un petit peu tout ce qui est quand je fais les factures. Je vais l'ouvrir. Voilà. Et puis, bah, forcément, je vais pouvoir faire des compartiments différents et je vais le ranger bah, en bas. Bah, ouais, j'étais pas partie main vite, la petite pompote. Pendant le montage, ça réconforte. Bon, bah, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi à être dans les temps. En même temps, j'ai reçu 2 appels qui ont duré un petit moment. C'est pas grave, je vais faire un vlog sur 3 jours. Ça peut être sympa hein, aussi. Je le fais pas souvent. Oui, regardez. On s'est acheté une nouvelle imprimante parce que celle qu'on avait, bah, c'était pas la nôtre. Fallait qu'on la redonne. Et c'est quand même utile. Forcément, quand tu veux éditer des factures ou bien des bordereaux Vinted, c'est quand même plus pratique. En plus, elle fait scanner. Elle est nickel, on l'a mis à Leclerc. Premier prix, 44 euros. Elle était aussi tout à l'heure chez Bureau Vallée au même prix. Hein. Montre comme tu es beau. Tu es en train de faire ton poil d'hiver ou... Il est doux. Ah, c'est peut-être parce que j'ai changé de croquette. Vu le prix des croquettes, tu m'étonnes, ça lui fait un beau poil. Hein. On va manger? Je viens de me faire un masque hydratant. Ça fait un bien fou. J'ai ma peau qui tiraille et je vois bien mon contour de l'œil. Il a des petites ridules avec la sécheresse. En plus, moi, je le poudre. Donc, le truc à pas faire, mais bon. On va se faire, sinon, petite soirée. On va commander 2 pizzas et puis on va se mater une série ou un film. Ouais, je pense que ça va être le délire du soir. Ça te va comme programme, Jack? Maintenant, son nouveau truc, il est derrière nous, entre nous deux. Et il s'endort. Il regarde un peu avec nous, puis il s'endort. T'es vraiment gentil loupio, toi. Tiens, pour commander... Tu veux laquelle? Ce que tu veux, moi. C'est vrai? Alors, c'est pâte fine. Là, je vais prendre une indienne, une hawaïenne, vegan pépina. Ok. Allez, je vais au dodo. C'était vraiment bien. Regarde Tale from the Loop. Super série sur Amazon, je crois. Ouais. Et bah, je vous dis à demain. Oula. Pour certainement un nouveau vlog. Bonne soirée. Enfin, salut.